Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h à la une de l'actualité. Signature de convention destinée à la décentralisation qui s'est tenue ce matin sous l'égide du ministère des Finances, de l'AFD et de la mairie. Dans l'actualité également, signature d'une convention de partenariat entre le MENFOP et les acteurs locaux. Nouvelle du monde, les pays européens lancés dans la course contre les variantes. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par le départ de la première dame de Somalie, Madame Zainab Abdi Maalim, qui a quitté tôt la capitale ce matin après une importante visite de 3 jours à Djibouti. Madame Zainab Abdi Maalim a été à la tête d'une importante délégation qui a séjourné à Djibouti durant 3 jours. Et bien donc à son arrivée à l'aéroport international, au départ, elle a été saluée par des responsables djiboutiens, dont notamment la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Madame Mouna Ousmane Adane, qui est arrivée, donc rappelons que Madame Zainab Abdi Maalim est arrivée à Djibouti lundi dernier, avait eu des entretiens avec la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Madame Zainab Abdi Maalim a, au cours de son séjour à Djibouti, visité notamment le siège de l'UNFD et la ville d'Arta, en particulier le site où s'est tenue la conférence de réconciliation djiboutienne en l'an 2000. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awale Ousmane, l'ambassadeur de France à Djibouti, Monsieur Arnaud Gulois, le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur Philippe Collignon, ont paraphé une convention de financement en faveur de la République de Djibouti destinée à appuyer la décentralisation et la gouvernance publique en République de Djibouti. Ce financement d'un montant de 8 millions d'euros, soit près de 1,8 milliard de nos francs, correspond au premier projet de l'Agence française de développement en appui à la gouvernance publique à Djibouti. De façon cohérente avec les priorités nationales qui ciblent les villes de Djibouti, la mairie et ses communes dans le cadre du processus de décentralisation porté par la République de Djibouti. Au niveau de la ville de Djibouti, eh bien, cette convention viendra soutenir la mairie et les communes afin d'améliorer la délivrance des services publics locaux. D'assister à cette signature, je vous souhaite vraiment de vous saisir, vous les élus locaux, de cette opportunité qui vous est donnée. En France, les maires sont les personnages préférés de la population. Parce qu'ils ont cette proximité, parce que vous connaissez, et vous êtes le poumon aussi de cette démocratie, de cette proximité. Vous êtes le relais des aspirations des populations que vous représentez au niveau local. Et en tant que sénateur, là c'est le sénateur qui parle, c'est pas le diplomate, c'est le sénateur qui parle, je suis très, vraiment, sincèrement ému d'assister à cette signature. Je vous souhaite de remplir ces pages blanches qui vous sont offertes avec toute la conviction, avec toute la force et avec toute l'énergie que vous ont témoigné par leur confiance les habitants de vos villes, de vos communes. Et l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Gulois, dans son intervention, parlait de l'appui de la France dans le processus de décentralisation en République de Djibouti. Vraiment, vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui parce que ce à quoi nous venons de procéder, cette signature, c'est à la fois un aboutissement, mais aussi un commencement. C'est l'aboutissement d'un processus qui a été entamé il y a de cela quelques petites années, mais quelques années, entre différents acteurs français, l'Agence française de développement, l'ambassade de France, djiboutiens, entre les membres naturellement du gouvernement, la mairie de Djibouti, des échanges extrêmement collaboratif, extrêmement dense,
parfois exigeant, mais c'est normal quand différents acteurs contribuent à un même objectif qui est ambitieux, qui est innovant. Mais donc cet aboutissement, c'est aussi surtout le début d'un lancement, le début d'un très beau programme à l'appui de la décentralisation et de la mairie de Djibouti. Pourquoi ce projet nous tient à cœur ? Pour deux raisons. D'une part, parce que la décentralisation est une priorité des autorités djiboutiennes, souhaitée, définie par le président de la République, mise en œuvre par le gouvernement et par les élus locaux. Et c'est quelque chose que la France, avec ses partenaires, s'honore d'appuyer. La décentralisation, c'est la proximité. Et par définition, une décision prise au plus proche du citoyen est une décision plus sensée. Et de son côté, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a expliqué qu'il supervisera le bon déroulement du projet afin de renforcer les capacités humaines, financières, organisationnelles et matérielles des collectivités de la ville de Djibouti de façon cohérente. Honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à la signature de la convention de financement du projet GOUV. C'est un honneur pour moi. Après l'enlancement du projet ADIL, projet de développement local qu'on a lancé dans la région de Tadjoura et dans la région de Dikil, et à l'endroit des 5 régions financées par l'Union européenne, donc à l'instar des régions de l'intérieur, il était vraiment temps aussi d'accélérer ces projets pour tourner vers les collectivités de Djibouti Ville, bien sûr, composées des 3 communes. Donc, au passage, je vais un petit peu tout d'abord remercier et féliciter l'équipe de l'AFD, également l'équipe du cabinet du ministre des Finances, également la direction de la DFE, qui ont quand même donné beaucoup d'efforts pour qu'on accélère ces projets. Pour le reste, en ma qualité du ministre de la décentralisation, qui est chargé de veiller un peu sur la bonne réussite du feuille de route de la décentralisation, je veillerai minutieusement, surtout sur la transparence, la cohésion, la réussite et la sincérité autour de ces projets. Vraiment, il faut que ça soit une dynamique qui crée l'unité, la transparence pour l'ensemble et qui fait profiter l'ensemble des collectivités de Djibouti. Quant au ministre de l'Économie et des Finances, Ilyassou Moussa Dawalé, il a indiqué l'importance que revêt la redynamisation des collectivités locales dans une atmosphère d'harmonie collective. On souhaite voir la ville de Djibouti intervenir efficacement. On souhaite voir la ville de Djibouti avoir une ressource humaine de qualité, détachée en grande partie de l'administration. Et on souhaite voir la ville de Djibouti financièrement de plus en plus autonome. C'est l'objectif de ces projets. On souhaite également voir, quand je parle de la ville de Djibouti, bien sûr, sous le leadership de Madame la maire de Djibouti, en parfaite harmonie et en parfait partenariat avec le président des 3 communes. On souhaite vous voir travailler en un seul homme, entre guillemets, de vous voir réussir la transformation de la ville de Djibouti comme une seule entité avec chaque commune ses particularités. Donc, dans ce financement, nous souhaitons voir des changements dans vos communes respectives, dans la planification de vos petits projets. Ça, ce n'est qu'un début. Vraiment, si nous rencontrons le succès à travers ce projet, nous nous engageons davantage de ressources à mobiliser, tant sur le budget de la République que sur le financement extérieur avec nos amis. Il est temps de rendre notre ville, la ville de Djibouti, une capitale qui soit digne de cette capitale que nous ambitionnons. Et nous connaissons beaucoup de transformations, nous avons une ambition importante pour la République de Djibouti et en particulier tirer
sous le leadership du président de la République, nous avons investi beaucoup dans l'économie, dans les grandes infrastructures, pour faire de Djibouti un hub international, sur beaucoup de plans. Cela veut dire que notre ville doit également commencer à se transformer, à devenir une ville vibrante, propre, dont ses habitants, et surtout tirés par ses élus, vraiment, et ne fassent en sorte à ce que les mentalités changent, l'amour de cette ville et donc de sa beauté en plus également, et nous faisons confiance. Si vous avez manqué de ressources, vous n'avez plus aucune raison pour justifier par le manque de ressources. Vous aurez les ressources nécessaires. Et je vous invite très sincèrement à ce que votre travail et vos actions, vos interventions, la façon de faire soit en parfaite cohérence, y compris avec le nouveau code porté par le ministre Aramis. Et donc, vraiment, nous invitons à ce que Madame la maire, Monsieur le ministre en charge de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les élus, de travailler en harmonie, de travailler en parfaite intelligence, mais on souhaite également voir les collectivités, les élus, travailler en parfaite indépendance, mais à travers cette politique de la décentralisation menée par le ministère de la décentralisation. C'était dans les titres sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Le MENFOP a organisé ce matin une cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le MENFOP et les acteurs locaux de l'école. L'événement riche en couleurs s'est déroulé dans la salle de fête du Congrès du Palais du Peuple, en présence des membres du gouvernement, des élus locaux, de nombreuses personnalités publiques ainsi que de nombreux invités de marque, tels que les représentants du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales, les cadres et les responsables du MENFOP ainsi que la communauté éducatif qui était fortement mobilisé aux côtés des organisateurs tels que la société civile, des associations de parents d'élèves. Puis un reportage retraçant les contours de ce nouveau cadre partenariat entre le MENFOP et les acteurs des locaux de l'école, les tournées dans les trois communes de la capitale, puis dans les régions de l'intérieur, les échanges, les recommandations issues de ces tournées ont été revisitées. Et en entamant la série des interventions, la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et le président de la société civile ont tous réaffirmé leur pleine adhésion à ce nouveau cadre de partenariat pour une plus forte collaboration et une plus large participation des acteurs locaux. Mesdames et messieurs, à mon sens, ce partenariat revêt une importance capitale pour trois raisons. Premièrement, il permet de répondre à la vocation de l'école d'être un service de proximité. Il permettra en fait la participation des communautés et des associations dans le développement de solutions locales à des défis locaux qui se présentent en fait dans les communautés qui vivent autour des écoles. Deuxièmement, ce partenariat élargi permettra à l'éducation et à l'école d'être mieux préparés aux défis qui se posent au XXIe siècle. Troisièmement et dernièrement, ce partenariat avec les acteurs locaux et les associations de la société civile est aussi un principe auquel adhèrent, je pense, pratiquement tous les partenaires techniques et financiers. Et ceci dans un objectif d'une gestion plus inclusive, plus participative et plus transparente des écoles, mais aussi du secteur de l'éducation dans son ensemble. Soyez rassurés, Monsieur le Ministre, la société civile ne ménagera aucun effort pour être à l'écoute des enseignants, des équipes d'encadrement et des directions et épauler les établissements scolaires pour porter le plus loin possible la qualité de l'éducation de nos enfants et leur transmettre les valeurs et les repères qui les aideront demain à être des citoyens responsables. Mesdames et messieurs, la société civile est prête
à relever les défis qui s'imposent à elle, car elle est portée par des membres dévoués et dynamiques. Permettez-moi de rendre un hommage particulier aux femmes majoritaires dans les associations de la société civile, car, d'un avis partagé, les femmes ont un sens plus développé du bénévolat et du sacrifice. Je propose cette fois de suivre l'intervention de la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatma Awali Ousmane. L'intervention vient matérialiser davantage la vision du président de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, en termes de transfert de compétences. Excellence Monsieur le Ministre, par cette convention, vous devenez le premier acteur gouvernemental à mettre en place un mécanisme concret en vue de l'efficacité dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation. Cette coordination permettra aux différents acteurs de l'école d'œuvrer efficacement sur les volets qui les concernent pour une meilleure performance du système éducatif. Monsieur le ministre, mes pères et moi réunis au sein de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, voudrais par ma voix vous dire un grand merci pour votre pragmatisme et votre proximité. À travers cette convention, le champ d'intervention des collectivités territoriales dans les domaines de l'éducation et de la formation est clairement défini. Elles seront désormais les socles de propositions pour les investissements dans les secteurs de l'éducation sur les territoires. Elles useront à l'avenir de leurs prérogatives pour assurer un cadre sain, une sérénité et une tranquillité dans les établissements scolaires et leurs environs, en prévenant les violences et en contribuant à la sécurité routière sur les voies. Mesdames et messieurs, les collectivités territoriales s'appuieront sur les conseils de quartier pour gérer au mieux les missions présentes. Le choix de conseils de quartier n'est pas fortuit, car les conseils de quartier sont conduits dans les bureaux regroupant toutes les fronts de la population du quartier, dont les imams, mais aussi les chefs d'établissement scolaire. Le lien entre les conseils de quartier et les établissements scolaires est donc préétabli. Honorables élus locaux et régionaux, mesdames et messieurs les représentants des conseils de quartier, votre implication personnelle et votre proactivité sera le gage du succès de cette importante convention qui contribuera à créer un meilleur environnement pour l'apprentissage de nos enfants. Excellence, Monsieur le Ministre, pour notre part, les collectivités territoriales s'engagent à mettre tout en œuvre pour le succès de cette convention. Merci pour votre confiance. Merci à tous pour votre présence. Vive le partenariat entre le MENFOP et les collectivités territoriales. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est également exprimé à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cet important événement qui a pour objectif de sceller un nouveau cadre partenarial entre le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs locaux de l'école. Ce nouveau cadre partenarial trouve donc son fondement dans la vision du président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, relative au processus de consultation et de dialogue avec la population. Par ailleurs, ce nouveau partenariat permet au MENFOP de rendre compte et d'être proactive face aux attentes et besoins éducatifs des usagers de l'école. Mesdames et messieurs, pour ce nouveau cadre partenarial puisse avoir le jour et devienne effectif, nous avons jugé nécessaire de mettre en place au préalable des instances de concertation fonctionnelle, réseau des associations des parents d'élèves, réseau des associations éducatives, la création du comité communal d'éducation ou CCE et la révision du comité régional d'éducation au niveau des régions. Cette tournée de sensibilisation du MENFOP que nous avons débutée en août dernier dans la capitale avec la commune de Razdika et Boulhaus
en passant par la commune de Balbala et les régions d'Arta, d'Addis Abeba, de Dikhil, s'est terminée bien sûr à Tadjoura. Elle avait pour objectif de sensibiliser les acteurs concernés sur l'importance et les bien fondés de ce nouveau cadre partenarial. L'enthousiasme et l'engagement pour ce nouveau partenariat suscité lors de ces tournées nous a permis par la suite de lancer le processus de formation des réseaux des parents d'élèves et des réseaux des associations éducatives. Il faut dire que cette étape était nécessaire pour la légalité et la légitimité des instances instituées, ce qui leur a permis d'avoir leur statut juridique en bonne et due forme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je me réjouis que ce nouveau partenariat soit scellé par la signature d'une convention quadripartite qui sera entérinée d'une part par le MENFOP et d'autre part par le réseau des associations des parents d'élèves, mais également les réseaux d'associations œuvrant dans le domaine de l'éducation, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. La présente convention a pour objectif donc de fixer dans le cadre des textes en vigueur et dans l'intérêt des parties en présence les modalités d'application des différents types de relations entre le MENFOP et les autres acteurs dans un souci d'équité, de clarté et d'efficacité. Dans l'actualité également, une réunion d'information, d'échange entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, de la décentralisation, l'Agence de développement de Djibouti et les exécutifs des régions autour de l'agenda des activités de la Semaine nationale de l'action sociale qui a eu lieu hier. De l'ADDS, l'agence d'exécution du MAS, les présidents des conseils régionaux et leurs secrétaires généraux. Elle a débuté par une introduction à la Semaine nationale de l'action sociale, dont il a été précisé que l'objectif est de communiquer sur les réalisations entreprises durant l'année écoulée dans les régions et ainsi d'assurer leur visibilité, en somme valoriser la dynamique régionale. L'événement est placé d'ailleurs cette année sous le thème de développement local avec comme slogan « Ensemble pour une population résiliente ». Au menu de l'agenda de la commémoration, les activités prévues vont des stands d'exposition, des ouvrages réalisés prévus dans l'enceinte des sièges des conseils régionaux à la mise en lumière de deux villages, l'un en région d'Addis Abeba et l'autre à Tadjoura, prévus pour être des villages laboratoires pour piloter l'initiative de développement conduite par les communautés en passant par des inaugurations, des infrastructures de base, des visites guidées de terrain pour voir les projets réalisés, des présentations des états des lieux des réalisations dans chaque région, des échanges avec les communautés, ainsi que du lancement du programme de sortie de la pauvreté pour nombre de femmes et de jeunes bénéficiaires du cash transfer à Djiboutiville. Il est prévu que la commémoration fasse l'objet d'une large couverture médiatique à laquelle va s'ajouter des productions des émissions radio-télévisées. À la différence des commémorations des années précédentes, celle de cette année est particulière parce qu'elle met en avant une approche régionale. Au cours des discussions qui s'en suivirent, ces derniers ont tout d'abord exprimé leur satisfaction d'avoir été associés à la commémoration de cette Semaine nationale de l'action sociale. Ils ont promis de s'investir à fond pour assurer le plein succès des activités prévues dans leur région. Ils ont fait des remarques pertinentes sur le planning des activités et sur la démarche qui présidait aux interventions sur le terrain de l'ADDS. Ils ont eu des réponses des responsables concernés, celui surtout de l'ADDS qui a promis de tenir compte de leurs préoccupations dans la programmation des activités de cette année. Enfin, à noter que le coup d'envoi des activités de cette Semaine nationale de l'action sociale 2020 sera lancé le 18 janvier prochain à Ali Adé, en région d'Addis Abeba, par la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Adan, conjointement avec son collègue chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Arremi. C'est les deux membres du gouvernement dont les missions se complètent, entretiennent une bonne collaboration et synergie d'action dans le créneau de la lutte contre la pauvreté, à la grande satisfaction de nos concitoyennes et concitoyens des zones rurales. Dans l'actualité également, le port polyvalent de Doralé a encore une fois réalisé de nouvelles prouesses en effectuant le déchargement de deux navires de la saison en un temps record. Le Hiroki et l'Est Reader transportant donc 62 000 tonnes d'engrais et l'autre 40 000 tonnes de blé. En effet, pour la première fois de l'histoire du DMP, deux navires de vrac transportant l'un 40 000 tonnes de blé et l'autre 62 000 tonnes d'engrais ont été déchargés simultanément sur des convoyeurs fixes différents.
Cela démontre bien le début d'une nouvelle ère dans la malnutrition des vrac. Ainsi, le DMP illustre son expertise dans le domaine en clôturant avec brio les opérations de ces deux navires. C'est dans cet objectif d'atteindre de nouvelles performances que le DMP a vu une amélioration radicale de la gestion de ses sacs vides et qui a fait l'effet d'une nouvelle procédure qui répond aux standards internationaux et que les opérations de chargement du train ont répondu aux exigences de finalisation d'un train par jour en 24 heures. En effet, cette mission a mis en valeur la qualité du travail réalisé, le professionnalisme des équipes et sa synergie dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées. Et pour plus de précisions, je vous propose de suivre l'intervention du directeur de la PSDA et DMP de Djibouti. Bonsoir, nous sommes au DMP. Nous avons deux navires, un navire de 62 000 tonnes d'engrais et un navire de 40 000 tonnes de blé. C'est une première. Nous déchargeons deux navires simultanément en utilisant donc les silos des graines et les silos de fertilisants. C'est la première fois que le navire est déchargé simultanément en livrant donc les marchandises par train, en livrant aussi les marchandises par camion, simultanément. Pour ce qui est du navire de 40 000 tonnes donc de blé, c'est du blé humanitaire, et le blé humanitaire est livré directement par camion à destination d'une part vers l'Éthiopie et d'autre part à BK23 dans la zone du HAP WFP. Je crois que les cadences sont respectivement de 11 000 et 12 000 tonnes par jour. Nous sommes en respect donc avec les normes internationales. Je remercie ici le technicien, les hommes justes qui font la différence. Je suis extrêmement content. C'est la première fois qu'on arrive donc à faire simultanément des opérations avec des équipements qui sont performants. Et depuis janvier, on a pu opérer avec des cadences extrêmement élevées. Et les agences maritimes, les clients nous ont tous remerciés. Et j'espère pour ma part que l'année 2021 nous apportera donc bonheur. Le général des corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu hier mercredi à la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie accrédité à Djibouti, M. Berhanu Tesgaye. Eh bien, dans son déplacement, M. Berhanu Tesgaye était accompagné de l'attaché de défense éthiopien, le général de brigade Abebaye, et du chargé d'affaires. Cette visite de courtoisie fait suite à l'arrivée à Djibouti du chef d'état-major des forces armées éthiopiennes pour une visite de travail de 3 jours du vendredi 8 janvier reçue par le SEMGA djiboutien le lendemain. Elle s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les deux pays. En outre, le diplomate éthiopien était porteur d'un message de remerciement du Premier ministre Abiy Ahmed Ali à l'endroit du gouvernement djiboutien pour le soutien précieux à l'Éthiopie, pays frère en temps de crise. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dit disposé à tout moment pour apporter sa contribution et s'est engagé à raffermir et renforcer davantage les relations de coopération entre les deux armées afin de surmonter et de résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. Et bien, cette visite de courtoisie s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Ensuite, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, a reçu ce matin au camp Cheikh Ousmane l'attaché de défense du Soudan, le général de division Oussama Al-Awad Mohamed.
sur demande de l'attaché de défense soudanais. Cette deuxième visite officielle de travail s'inscrit dans le cadre des relations de coopération militaire entre les deux armées. Il était présent à cette cérémonie le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria. Cheikh Ibrahim, directeur de la direction des relations internationales, et le lieutenant-colonel Hassan Youssouf du département arabe des forces armées djiboutiennes. Après le mot de bienvenue, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération des deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens. De son côté, le général de division Oussama Al-Awad s'est dit honoré de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant son séjour à Djibouti. La délégation djiboutienne, composée de diplomates, de militaires mandatés par les chefs d'État des pays membres de l'IGAD lors du 38e sommet extraordinaire de l'IGAD, a achevé ce matin sa mission de médiation au Kenya, et ceci concernant le litige entre la Somalie et son voisin, le Kenya. La délégation a été composée essentiellement de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Kenya, l'ambassadeur Yassine Al-Mibouh, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, le général Osman Nour Soubagle, le général Ali Mohamed Taher, le colonel Ali Aden, le colonel Mohamed Barkhat, commandant Hussein Idriss, ainsi qu'un représentant de l'IGAD ont été reçus ce matin pour une dernière fois par la ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, Madame Monica Juma. Eh bien, cette délégation djiboutienne, donc cette rencontre de ce matin, a été l'occasion pour la délégation djiboutienne diplomatique et militaire de pouvoir remercier les autorités kenyanes pour l'accueil chaleureux qui leur a été offert depuis leur arrivée. Suivant cette fois, cette interview que nous a accordé le premier conseiller de l'ambassade de Djibouti au Kenya. Cher Mohamed, effectivement, la mission diplomatico-militaire a été reçue par les autorités civiles et militaires du Kenya. Cette mission d'établissement des faits. Comme vous le savez, cette mission a été mandatée par le 38e sommet des chefs d'État de l'IGAD. Et c'est Djibouti qui a été mandaté pour dépêcher une mission d'établissement des faits à la frontière entre la Somalie et le Kenya. Donc la mission est arrivée depuis Mogadiscio au Kenya. Elle a été reçue par la ministre des Affaires étrangères, accompagnée de la ministre de la Défense et du chef d'état-major des forces de défense du Kenya. Après les réunions techniques, la mission a pu se déplacer sur la ville de Mandera et a rencontré également les autorités militaires de cette région pour ensuite faire un survol de la région du transfrontalière, mais du côté kényan. Donc la mission s'est très bien passée. Les autorités kényanes ont collaboré de la meilleure des façons pour permettre à cette mission de se dérouler dans les meilleures conditions. Donc ce matin, une dernière rencontre a eu lieu entre la délégation conduite par son Excellence Yassine El-Mibouh, est composé de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, du général Taher Mohamed Ali, du général Soubagle, ainsi que de deux colonels. Donc cette ultime réunion qui s'est déroulée ce matin a été l'occasion pour la mission et le chef de la délégation, son Excellence Yassine, de pouvoir remercier d'abord les autorités kenyanes pour l'accueil, l'hospitalité, bien sûr, et surtout toutes les facilités qui ont été mises à leur disposition pour mener à bien cette mission. De leur côté, les autorités kenyanes ont exprimé leur gratitude et ont
mandaté la délégation djiboutienne de transmettre le remerciement du président kényan au président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En fin de compte, les autorités kenyanes aussi ont transmis leur point de vue et leur requête à la mission et à la délégation afin qu'elles puissent les transmettre aux autorités concernées au niveau de Djibouti ou bien au niveau de l'IGAD. Les activités s'inscrivant dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de l'Université de Djibouti se poursuivent. Eh bien, en effet, ce matin, l'Université a accueilli les personnes à besoins spéciaux et leurs responsables. Le président de l'Université de Djibouti est arrivé dans l'amphithéâtre du campus universitaire en compagnie du directeur général de l'Agence des personnes handicapées, Ali Saïd, et de ses proches collaborateurs. Ont également pris part à cette journée le président de l'association Vivre Plus Fort et des enseignants du Centre de protection de l'enfance, le Centre d'Ariel. Cette journée avait pour but de définir comment mener une vie universitaire normale pour les personnes à besoins spéciaux. Durant cette importante journée, le président du réseau des personnes handicapées a pris la parole pour remercier l'Université de Djibouti pour le travail accompli envers les étudiants et surtout les étudiants handicapés. Suivant cette fois le mot du président de l'Université de Djibouti. Nous sommes à un stade où nous voulons ouvrir l'université davantage à la société djiboutienne, une université tournée aussi plus inclusive aux personnes à besoins spéciaux. Il y a deux jours, vous avez accueilli ici à la faculté de sciences et d'unités industrielles les étudiants de collège de Doglé. Vraiment, ils ont tiré une belle expérience et c'est pour aussi inciter les jeunes à aller vers les sciences. Les sciences, c'est l'avenir du pays. C'est à travers les sciences qu'un pays se développe. Et ça, je pense qu'en tant que scientifique et des étudiants de l'unité industrielle, vous en êtes convaincus. Donc aujourd'hui, nous avons invité l'Agence nationale pour vous expliquer qu'est-ce qu'ils font, quel est leur travail, comment ils aident des jeunes de votre âge, plus jeunes que vous, à être des femmes et des hommes épanouis qui puissent mener une vie normale. Et c'est un travail de long haleine, une structure, toute une agence a été créée et c'est aujourd'hui nous les avons invités pour que vous puissiez les questionner, comprendre leur métier et pourquoi pas, Inch'Allah, c'est notre volonté aussi, notre souhait de pouvoir créer des vocations. Les handicaps, il y a énormément de formes d'handicap, mental, menteur, etc. Dans l'actualité internationale concernant la COVID-19, les pays européens lancés dans la course contre les variantes. Eh bien, le Royaume-Uni a franchi la barre des 100 000 morts liés à la pandémie du COVID-19 après avoir enregistré plus de 1500 décès au cours des dernières 24 heures. En France, certaines villes comme Nancy ont déjà commencé à vacciner les personnes de plus de 75 ans contre le COVID-19 près d'une semaine avant le début de cette phase au niveau national. Le variant britannique plus contagieux représenterait à ce jour près d'1% des nouvelles contaminations dans le pays, d'après les autorités sanitaires. Eh bien, enfin, la Russie lance une campagne de vaccination massive dès la semaine prochaine. Elle aura recours aux vaccins fabriqués dans le pays et compte inoculer au plus vite à plus de 146 millions d'habitants. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.